All power to the people. 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 Comment on se retrouve à côtoyer Ilan Pappé, Noam Chomsky, Angela Davis, Ken Loach? Alors en fait, ouais. Si on ajoute Angela Davis, du coup Ken Loach, etc., ça c'est vraiment le tribunal Russell sur la Palestine. Je sais pas. D'ailleurs, tout le monde comprend le français, ce que j'ai entendu de l'espagnol, de l'anglais, d'autres. Ça va, tout le monde est ok. Hein, okay. Et oui, donc j'étais coordinateur du tribunal Russell sur la Palestine, qui était un tribunal d'opinion publique qui a existé de 2008 à 2014. Et on avait des parrains et des membres du jury. Et parmi ces membres du jury, il y avait donc parmi ces parrains et membres du jury, il y avait Ilan Pappé, Noam Chomsky, Angela Davis, Ken Loach. Et bon, il y en avait une centaine. Donc le premier truc, c'est le tribunal qui m'a permis de côtoyer ces gens-là. Et ensuite, qui a amené à ces ouvrages, en fait. Donc j'imagine être autour d'une table avec Noam Chomsky, Ilan Pappé, les discussions doivent être longues et intéressantes. Et de là est née l'idée de publier tout ça et d'en faire un livre. Ouais. Ce livre, donc, comme tu disais, est la suite de Palestine, l'état de siège. Palestine, l'état de siège, on avait fait des conversations. C'était même pas des conversations, en fait. On avait fait des entretiens par email. Donc j'ai envoyé une question à Ilan, je l'ai envoyé ensuite à Noam Chomsky. Et il répondait aux questions, mais il n'y avait aucune interactivité entre les deux auteurs. Ils ne pouvaient pas se répondre, se contredire, argumenter. Et donc. Ce livre a été publié, je crois, en 2008 ou 2009. Et ensuite, Ilan, je le connais assez bien, donc on se côtoyait assez souvent. Et l'idée est venue en se disant, il faudrait vraiment qu'on se rencontre et qu'on soit dans une pièce avec Chomsky, parce qu'ils ont des désaccords, et je pense que tu vas y venir après. Et pour avoir un désaccord, et pour argumenter, et pour contredire l'autre, il faut être en face, quoi. C'est pas par email que ça se fait. Donc de là, on a demandé à Noam Chomsky s'il était prêt à nous recevoir dans ses bureaux à Boston. Pas Boston, c'est... Oui, Cambridge, Boston, c'est pas loin. Et à notre surprise, il a dit oui. À notre surprise, pas parce qu'on avait peur qu'il refuse de nous parler, mais c'est parce qu'il a un agenda, je veux dire, de Premier ministre, c'est même pire, quoi. Il est constamment à droite, à gauche. Donc voilà, on est parti le rencontrer à Boston, c'était en janvier 2013, peut-être. Et de là est née Palestine. Et le fait que ces entretiens soient maintenant interactifs, je trouve, rend le livre beaucoup plus intéressant, en fait. Et se retrouver, oui, avec ces deux personnages dans une même pièce, déjà, c'était assez... comment on dit ? Overwhelming, en anglais. Assez... émouvant. Oui, émouvant, et même assez... Assez intense pour moi, parce que autant Noam Chomsky qu'il n'a pas fait, c'est des gens que je lis depuis 15 ans. Et oui, c'est un niveau de discussion passionnant, parce qu'ils ont, ils sont tous les deux assez intelligents, en fait. Deux grandes personnes que tout le monde respecte, admire, mais néanmoins je pense que beaucoup de personnes pensent aussi qu'ils pourraient être tout à fait d'accord et qu'il y ait une analyse de ce qui se passe en Palestine. Mais comme tu le dis, on voit très bien des points de désaccord, des points de débat. C'est déjà une leçon pour tous les militants. Oui. Je pense que c'est une grande leçon pour les militants qu'un gars comme Noam Chomsky ou Ilan Pappé montrent leurs différends et en discutent, alors que nous, des fois, entre militants, on se bannit l'un l'autre pour des questions simplement d'opinions un petit peu différentes. Mon avis, je vais déjà donner mon avis. Mon avis, c'est que d'abord, Ilan Pappé, je pense que c'est le seul, je pense affirmer que c'est le seul historien israélien que je respecte pour son intégrité, pour son point de vue. Noam Chomsky, j'aurais jamais pensé dire ça il y a 15-20 ans. C'est quelqu'un que j'admire effectivement, sur toutes ses analyses anti-impérialistes et tout.
Par contre, je le trouve totalement à côté de la plaque pour la question israélo-palestinienne. Et on va en venir. Ce que je dirais, c'est heureusement, mais je pense que tu le dis aussi dans l'intro, que le texte, le livre commence par un terrible texte d'Ilan Pappé, évidemment, et qui déséquilibre un petit peu, je crois, le livre, car en commençant par ce texte, il donne... Il n'y a plus rien à dire en fait après ce texte. Oui, mais alors donc, en si fait, tu peux... alors, déjà ce texte il est très intéressant parce que nous. Écrit en septembre 2014 oui, et, là, et qui ouvre le livre. Oui, et c'est le dernier, le texte le plus récent, on va dire, qui est dans le livre. Il vient après les entretiens, du coup, parce qu'on a fait les entretiens en janvier. Je me demande si c'est pas 2014. Ouais, c'était janvier 2014. Oui. Donc le texte vient quasiment 8 mois ou 9 mois après les entretiens. En fait, quand on est parti à Boston avec Ilan, on s'est dit, le fait qu'on va se retrouver dans une pièce avec Noam Chomsky, ça va être notre opportunité de le pousser le plus loin qu'on peut sur certains points de désaccord qu'on a avec lui. C'est jamais noir et blanc avec Chomsky, hein, et c'est très bien d'ailleurs, mais il y a quand même des points de désaccord, on va en reparler après. La solution future, un État, deux États, binational, c'est un des points de désaccord. Le sionisme, qu'est-ce que c'est vraiment que le sionisme, ou le début du sionisme, c'est aussi un point de désaccord entre les deux hommes. Et le gros point de désaccord, c'est BDS, avec Ilan Pappé qui est un des soutiens du mouvement. Donc BDS boycotte des investissements et sanctions depuis le début du mouvement, et qui est excellentissime sur son analyse du mouvement. Et Noam Chomsky, qui est, on va dire, qui dit qu'il est pour le boycott, mais un certain type de boycott, et qui est très très critique du mouvement BDS. Donc quand on allait là-bas, avec Ilan, on s'est beaucoup parlé, etc., et on s'est dit, c'est notre opportunité, un, d'essayer de le faire changer d'avis, mais au moins de vraiment le pousser dans ses retranchements sur ces questions. On a fait les entretiens, c'était sur 2 jours qu'on a rencontré Noam Chomsky, et c'était 2 heures le mardi, je crois, le matin, 1 heure le mardi après-midi, puis 2 heures le mercredi matin, 1 heure. Et au bout de la première demi, après 3 quarts d'heure, on a fait une petite pause. Chomsky est resté dans son bureau, Ilan et moi on allait boire un café, Ilan m'a regardé, il a dit « Impossible ». Le mec bouge pas d'un pouce, et on va pas le faire changer d'avis. Quoi. Moi j'étais, c'est vrai, parce que moi j'étais super remonté, j'étais un peu en colère contre Ilan en fait. Je trouve que moi j'étais juste un modérateur, quoi. C'était pas à moi de commencer à. Mais je trouvais qu'ils avaient commencé à parler de BDS, et je trouvais qu'Ilan était gentil, quoi. Il allait pas assez fort, s'engueuler ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il aurait pu pousser un peu plus. Mais Ilan m'a dit non, j'ai essayé, j'ai vu dès le début qu'il se braquait, parce qu'il se braque, hein, Chomsky, quand il n'est pas d'accord, c'est un monsieur très gentil, vraiment drôle. Mais quand il n'est pas d'accord, c'est vraiment, il se braque, quoi. Bon, en plus, il a 85 ans, donc c'est jamais facile de faire changer quelqu'un d'avis à cet âge-là. Et puis, c'est Chomsky aussi, évidemment. Et bon, c'est assez marrant aussi, parce que moi, je sais que Chomsky, ce qu'il m'a appris, c'est d'être sceptique sur tout. Il dit, il faut toujours remettre en question ce que disent les gouvernements, ce que disent vos parents, ce que disent vos professeurs, toujours poser des questions. Mais quand on est sceptique par rapport à ce qu'il dit, là, il n'est pas du tout d'accord, par contre. Et ça m'a fait assez... ça m'a fait réfléchir. Alors du coup... Oui, on a fini donc, ces entretiens avec Chomsky, un peu déçu qu'il n'ait pas été plus ouvert ou qu'on n'ait pas pu le changer, en fait, un peu lui faire changer d'avis. Et donc Ilan, quelques mois après, m'a dit « J'ai une idée. Je vais écrire un texte, celui-là, qui sans mentionner... il en parle un peu, mais sans vraiment attaquer Chomsky, etc. » sous-entend qu'il est un peu à côté de la plaque, quoi, en fait. C'est ce que le texte dit, quand il parle des anciens discours et des nouveaux discours, évidemment, l'ancien discours, c'est Chomsky, en fait. Donc, il a écrit ce texte, qui est assez long, en plus, et qui déconstruit un peu l'argumentaire de Chomsky. Voilà. Quand on est à côté de la plaque, moi, ce que je rejette pas chez Chomsky, ce que j'ai un petit peu l'impression, c'est que, dans son esprit, Israël est inattaquable, et que, en tant qu'Américain, plutôt nous braquer sur les collaborations, tous les lobbies qui existent aux États-Unis, et de faire un petit peu abstraction de la question israélienne, et plutôt de se braquer, de boycotter les États-Unis, en fait, de l'intérieur. Oui. C'est un petit peu cette... Bon, il dit qu'il faut boycotter Israël aussi, hein, puisqu'il le dit lui-même, il dit « je faisais du boycott avant même que le boycott existe ». Donc il dit qu'il faut boycotter Israël, mais qu'Israël ne pourrait même pas exister. Et là, il n'y a pas tout à fait tort, hein, sans exister. L'aide américaine. Donc il dit c'est hypocrite de boycotter Israël et de ne pas boycotter les États-Unis.
Mais là, il loupe quelque chose de crucial, c'est que les Palestiniens eux-mêmes ont appelé au boycott et ont appelé au boycott d'Israël. Le jour où les Américains appellent au boycott des États-Unis, peut-être que, ou les Indiens d'Amérique, ou les, peut-être qu'on le fera, quoi. Mais c'est là où tu trouves qu'il ça cale complètement, en fait. Mais lui, il remet même en question l'appel au boycott des Palestiniens. Il dit, en fait, c'est trois personnes qui ont fait ça. Ils disent qu'il y a 170 organisations derrière, c'est de la foutaise. Il a un truc qui... c'est difficile, mais il y a un truc très orientaliste dans sa critique, en fait. Alors que lui, il se dit complètement anticolonialiste, anti-impérialiste, anti-orientaliste. Et il y a un truc très orientaliste où... mais même pendant l'entretien, au moment, on lui a dit... mais ce que vous dites, en fait, c'est que vous êtes mieux placé que les Palestiniens eux-mêmes pour expliquer ce qui ne va pas et pour leur dire ce qu'ils doivent faire. En gros, c'était ça qu'il nous disait. Et il a répondu oui. Je pense que des fois, les victimes sont tellement devant le fait qu'elles n'ont pas l'espace nécessaire pour réfléchir intelligemment. Et là, tu restes un peu confus. C'est le premier à dire le contraire sur tous les conflits, quoi. Et là, non, sur la Palestine, il dit que... Admettons qu'il a raison. Oui. C'est pas plus parce qu'il est, avant tout, il veut pas devenir un anti-sioniste. Il a été sioniste et il assume jusqu'à aujourd'hui. Plus, je sais pas si on est sioniste et ne pas être orientaliste en même temps. Est-ce que c'est pas un profond attachement au sionisme c'est difficile avec lui, mais il se dit clairement anti-sioniste. Ah, il se dit anti-sioniste. Ah ouais, à fond. Pas a-sioniste ou post-sioniste. Il dit qu'il était sioniste dans les années 45-50. Mais, et là aussi c'est un point de désaccord entre les deux hommes, que c'était un sionisme complètement différent de ce qu'il y a maintenant. C'était un sionisme culturel, ça veut dire que oui, les juifs avaient droit à exprimer leur culture, etc. dans un état, quel qu'il soit, y compris Israël. Et lui, y compris, était allé en 54 en Israël, dans des kibbutz avec sa femme, etc. Alors, le problème, c'est qu'il dit que ce mouvement sioniste, donc très culturel, qui appelait à l'entente, etc., était un mouvement. Alors qu'Ilan, ça c'est après la conversation, il m'a dit, en fait, ce mouvement, c'était Chomsky et sa femme. Il n'y avait pas de mouvement. Il parle de ça comme un mouvement, il n'y avait pas de mouvement. Et Papé, qui a étudié le sionisme depuis... J'ai jamais entendu parler de ce mouvement. Non, voilà, c'est une manière. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, Chomsky dit que lui, un État juif, c'est une aberration. Donc moi, je dirais pas qu'il est à côté de la plaque sur la Palestine. Je dis qu'il est. Il a une vision très américanisée déjà du conflit, clairement. Et ce qui est dommage, je sais qu'il a accepté aussi de converser avec Ilan Pappé parce qu'il est pas bête, Chomsky, et il sait qu'Ilan Pappé, en tout cas dans le mouvement de solidarité, dans le nouveau mouvement, dans la jeunesse un peu qui arrive, et vénéré, Ilan, quelque part, et a raison, parce qu'il est, je trouve qu'il est bon sur tout, en fait. C'est le plus palestinien des Israéliens, je pense. Et Chomsky sait que lui est critiqué, par contre, par cette nouvelle jeunesse militante. Donc il s'est dit, ben voilà, moi je vais me mettre devant celui que les gens vénèrent. Mais il n'a pas accepté, il n'a même pas essayé d'aller un peu plus. Et quelque part, il y avait presque. C'est pas un manque de respect, mais de l'âge, peut-être. À un moment, quand il se parlait, j'avais envie de dire, écoutez, Noam, Ilan est israélien, quoi. Ilan, il a fait l'armée, il était dans les services secrets, il a été viré d'Israël parce qu'il est pour ses positions. Vous êtes allé en Israël en 54 et puis en 90, deux fois, un mois. N'essayez pas de nous dire que vous connaissez mieux la société israélienne que Ilan Pappé. Alors que lui, si, il essayait parfois de dire ça, quoi. Donc voilà, il y a deux, trois choses comme ça qui... C'est ça, cette vision américaine du conflit. C'est de se dire que ce conflit, c'est entre nos mains. Et que ce soit Israël, ce sont nos alliés. Et les Palestiniens n'existent même pas. C'est nous qui réglerons. Oui, il y a quelque chose comme ça, ouais, c'est clair. Qu'est-ce que toi, t'en ressors au final de ce livre et des conversations? De ces conversations. J'en ressors que c'est pas facile, mais... c'est pas facile à faire parce que beaucoup de gens demandent encore à Chomsky son avis sur la Palestine, en fait. Et je pense que même lui, en fait, foncièrement, il se sait bien meilleur sur certains autres sujets, d'autres sujets, d'anti-impérialisme. Il est excellentissime, en fait. Et moi, ce que je dis de plus en plus aux gens, après, il y a son nom, Chomsky. C'est toujours génial de faire un entretien avec Chomsky. C'est génial parce que de le rencontrer, c'est génial de toute façon. Et c'est génial parce que ça fait vendre, on va dire.
Mais moi, ce que je dis de plus en plus aux gens que je côtoie et aux journalistes, tout, c'est désolé surtout. Ne lui parlez pas sur la Palestine, ne le concertez pas sur la Palestine, en fait. Parce que, genre, le mouvement BDS, c'est un mouvement qui a 10 ans, mais qui explose vraiment depuis 5-6 ans, et il lui fait du mal, du coup. Parce que c'est Noam Chomsky, donc si lui il dit, en gros, BDS c'est nul, ça fait qu'il y a, une partie du public, même des jeunes qui veulent être impliqués, qui vénèrent tellement Chomsky, qui vont dire, bon ben il a raison, touche pas à BDS, quoi. Donc, moi j'ai eu des nombreuses conversations e-mail avec lui à propos de ça, quoi. Toujours avec cette idée bête que je pouvais peut-être lui faire changer d'avis ou lui faire comprendre que... Et même lui faire... Je lui ai dit, quoi, mais monsieur Chomsky, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes influent. À quel point vous êtes influent, quoi, si vous vous dites un truc comme ça. Et il est assez dur sur le mouvement, en plus. C'est pas des critiques soft, quoi. Il y va vraiment... Ouais, de rigolant, qui essaye de faire tomber. Voilà, donc du coup, je lui dis, vous vous rendez pas compte que vous bloquez une partie d'un mouvement, quoi. Et bon, il veut rien savoir. J'ai un copain là qui est récemment allé l'interviewer pour Al Jazeera et qui lui a parlé de BDS et qui m'a appelé, il m'a dit punaise, c'était encore pire que je pensais, quoi. Et moi au contraire, je pensais qu'il était dans une phase où il allait s'adoucir sur le mouvement. Et en fait non, au contraire, il se braque de plus en plus. Je sais pas si vous en avez parlé dans le livre, on n'aborde pas trop. S'il soutient pas le BDS, est-ce qu'il est du Chomsky sur la résistance armée, par exemple? Alors, mais ce qui est marrant, c'est que lui dit qu'il soutient BDS. Ouais. Il le dit, je crois, à un moment donné, il dit, mais je soutiens BDS, arrêtez de dire que je soutiens pas BDS. Je soutiens BDS si les tactiques et les stratégies sont bonnes. Et les tactiques et les stratégies qui sont bonnes, en gros, c'est celles que je dis moi. C'est un peu ça. Donc c'est un peu... Mais il fait BDS quelque part. C'est vrai qu'il soutient, il a signé plein de textes contre les désinvestissements de l'université, etc. Par contre, récemment, il y avait un colloque des plus grands universitaires qui travaillent sur le génocide et la question du génocide. Et c'est un colloque qui se tenait en Israël. Donc c'est terrible, déjà. Donc il y a eu toute une lettre qui a circulé que des académiques et des universitaires ont demandé qu'il signait. Je lui ai envoyé la lettre, il n'a jamais répondu. Alors qu'il répond tout le temps aux emails. Donc voilà, il y a encore un truc qui passe pas. Après, on n'a pas parlé vraiment de la résistance armée, non, je crois pas. Je sais pas trop sa position là-dessus. Il a une position assez droit international, hein, ça veut dire qu'un peuple a le droit de prendre les armes pour se défendre tant qu'il ne vise pas des civils, etc. Mais on a, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé dans le livre, aussi parce qu'à l'heure actuelle... C'est pas super d'actualité au niveau de la Palestine. Il y a encore une résistance armée, mais qui est tellement minime que c'est vraiment pas les sujets. Ouais. Merci de le rappeler, parce qu'on a, on est toujours dans ce fantasme de que ça serait un conflit en fait. Les Palestiniens, quand ils résistent, par les armes, en tout cas, c'est très rare. C'est très, bah, ça, alors que dans notre imaginaire, tous les jours, il y a un bus qui saute, alors ça fait des années que ça n'existe pas. Et ça, c'est la faute des médias aussi, hein, qui. Continuer à entretenir un mythe du Palestinien terroriste. Par rapport à Chomsky, qu'on a dit à côté de la plaque, quand on lit Ilan Pappé, débat d'hier et d'aujourd'hui, on se dit, le mouvement de solidarité pour la Palestine, il est vachement aussi à côté de la plaque. On serait tous d'accord avec Ilan Pappé, je ne suis pas sûr, ou en tout cas on est tous d'accord avec Ilan Pappé, parce qu'on n'oserait pas dire non, mais dans la réalité, dans les textes, dans nos actions, on voit bien qu'on n'est pas vraiment d'accord sur... Le débat d'hier et d'aujourd'hui, il est très critique sur la question du sionisme. Il y a, ici en Belgique, je crois que son texte, il passerait dans aucun journal belge. Sur la question d'un État, il est très clair. Et à un moment, il le dit, hein, tout ça, c'est... On ne doit pas rompre avec les personnes qui sont pour deux États, qui sont contre, qui se disent partitionnistes. Néanmoins, il dit que c'est une perte de temps. Non, complètement. Et puis on le voit, genre, le mouvement de solidarité. Le mouvement de solidarité avec la Palestine, je crois, dans le monde entier, c'est le plus compliqué, quoi, le plus presque taré, des fois, en fait. Entre deux organisations du même ville, comme tu disais tout à l'heure, eux acceptent au moins de se parler, et deux organisations qui n'acceptent même pas de se parler parce que dans un texte, il y avait deux mots qui dérangeaient, il fallait le mettre là ou pas, et du coup, ça crée un truc pendant 6 mois, ils ne se parlent plus, ils ne font plus de trucs ensemble. Il y a un truc, les grosses organisations aussi en solidarité de la Palestine, là, en France, par exemple la FPS, qui est complètement à côté de la plaque,
qui arrive au boycott des produits des colonies doucement maintenant, alors que ça fait déjà 5 ans qu'on est passé au boycott d'Israël, c'est super frustrant en fait. Et surtout que ces grosses organisations, que ce soit en Angleterre, Palestine Solidarity Campaign, en France, la FPS, et il y a des gens très bien au sein de ces organisations, mais on veut dire les comités, les bureaux nationaux, les comités exécutifs... ne répondent pas à l'attente du public. Il faut plus penser presque à des partis politiques où tu as les membres qui veulent vraiment pousser le truc plus loin et le bureau en gros qui bloque un peu tout quoi. Et qui font beaucoup de lobby aussi. C'est vraiment les gros qui croient qu'au lobby en fait, qui est assez futile aussi. On va parler à nos hommes politiques et un jour ils vont se dire ah ils ont raison, on va changer. Ce qui est complètement ridicule. Parce que... Mais ouais, donc c'est oui, le mouvement il est. Et très, très fortement attaché toujours à l'autorité palestinienne. Exactement. Ça, d'un point de vue historique. Et c'est ces grosses organisations qui parlent encore aujourd'hui de deux États, qui ne veulent même pas entendre parler d'un État, qui, quand on parle dans un meeting de. Est-ce qu'un État juif, déjà, pourquoi ça devrait exister? C'est de suite, c'est presque pire que les. Ah, mais oui, qu'est-ce que tu dis, etc. Alors qu'on parle juste d'un truc. C'est une réalité, en fait, je veux dire. Donc voilà, ça pose un État, ça voudrait pas dire que les Juifs se trouvent à la mer, ça voudrait dire que ça serait un État où les Juifs n'auraient plus de privilèges sur les Palestiniens, donc la fin d'État juif, donc l'égalité, quoi. Et ça fait peur, ça il faut surtout pas... Ben White en a très bien parlé la dernière fois. Et moi ici, dans ce que je m'approprie maintenant, qui me sortira plus, c'est sur le... On n'a pas à se prononcer qu'on est pour ou contre un État juif. Ouais. Ça c'est leur souci, c'est le souci de n'importe... Ils ont le droit d'avoir un État. En tout cas, on doit reconnaître qu'un État juif en Palestine n'est pas légitime. C'est ce que là, c'est ce qui m'a apporté en plus Ilan Pappé, oui. Que j'étais pour un État contre un État juif. Mais là, je crois que j'ai fait un pas supplémentaire en me disant la question d'un État, en fait, on s'en fout. Oui. Si il doit y avoir un État juif quelque part et que les États-Unis, par exemple. Attribue à un État en disant là ça peut être un État juif, pourquoi pas. Si l'Allemagne répare les dégâts qu'elle a causés durant le génocide des Juifs en Europe, pourquoi pas. Un État, que les Juifs créent un État où il n'y a pas de peuple, bien sûr. Pourquoi pas en fait. Ouais. Mais aujourd'hui on doit tous admettre qu'en 1948 ils n'avaient pas la légitimité de... Et c'est ça qu'on oublie toujours et c'est ça que, dont on parle jamais en fait. Israël n'existe que à cause ou grâce, pour eux, au nettoyage ethnique de 2/3 du peuple palestinien en fait. Clairement, un État juif, s'il y a un espace et il n'y a personne et tu crées ton État juif, il n'y a aucun problème. Mais si tu expulses, tues plus de 700 000 Palestiniens et mets ton drapeau en disant en gros on est un État juif, là il y a un gros problème en fait. Donc il y a ce traumatisme à la naissance de l'État d'Israël, et c'est pour ça qu'il faut en parler en fait. C'est pour ça qu'on a divisé d'ailleurs le livre en 3 parties, on a fait une partie le passé, le présent et le futur. Parce que vraiment s'il y a bien une situation où il faut comprendre le passé pour comprendre le présent et envisager le futur, c'est la Palestine. Et les médias nous en parlent jamais, on voit même durant Gaza 2014, l'opération Bordure Protectrice, les médias soi-disant les plus libéraux, les plus ouverts, il y avait Julien Salin qui avait fait une étude pour Acrimed qui montrait que le mot siège de Gaza avait utilisé 3 fois sur 150 reportages. Les mots occupation, les mots colonisation n'étaient quasiment pas utilisés. Donc comment on veut après que le public en général comprenne ce qui se passe quoi. C'est... ouais. Tu veux l'heure? Ouais, je veux l'heure parce que... Une demi-heure, on va oublier les gens. Ouais. Non, genre, on parle depuis une demi-heure à peu près. Justement, sur le passé, qu'est-ce que je vais te demander, en fait, te faire la voix d'Ilan Pappé. Parce qu'Ilan Pappé, c'est ça, on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans parler de ce qui s'est passé en 48. Oui. Et ça lui vient parce qu'il est historien ou parce qu'il est... lucide ou parce que... Mais en fait, Ilan fait partie donc des nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, ceux qui pour la première fois ont pris ce qui s'est passé en 48, donc on peut appeler ou la naissance de l'État d'Israël ou l'expulsion du peuple palestinien, et en fait n'ont pas inventé quoi que ce soit, ils sont allés voir dans le document public,
des documents israéliens, que ce soit des documents militaires, des journaux officiels, des le journal de Ben Gurion, etc. Ils ont pris ça et ils ont pris les faits, ils ont dit ben voilà les faits, voilà ce qui s'est passé, bam, 48, même, on parle toujours de 48, mais ça a commencé. Et là aussi, c'est un mythe, en fait, un mythe de la création de l'État d'Israël où Israël dit souvent, et alors, un autre nouveau historien qui s'appelle Benny Morris, a fait le même travail qu'Ilan Pappé, a pris les mêmes documents, est arrivé au même verdict, mais lui a dit, mais c'était justifié en fait. Donc le nettoyage ethnique des Palestiniens était justifié. Et le nettoyage ethnique est venu de la guerre de 48, puisque le moment où Israël a déclaré son indépendance, les armées arabes ont envahi en gros Israël et ont voulu faire la guerre, Israël a tuer des gens et expulser des gens. Alors qu'il montre que depuis déjà décembre 47, donc 6 mois quasiment avant la guerre de 48, les expulsions avaient commencé et les massacres avaient commencé. Donc c'était un projet. Et dans les journaux de Ben-Gurion le disait clairement, il y avait aussi le mythe du David contre Goliath, des armées arabes qui allaient envahir le petit Israël. Et Ben-Gurion disait clairement dans ses journaux, il disait évidemment tout le contraire dans tous ses discours publics, où il faisait peur à la population, mais dans ses journaux, il écrivait, on va les exploser en 5 minutes, parce qu'il ne faut pas oublier que la Haganah, l'ancêtre de l'armée d'Israël, a été formée par les Britanniques, a été armée par les Britanniques, et que les armées qu'on appelait les armées arabes, au niveau militaire, ils étaient très faibles par rapport à Israël. Quoi. Donc oui, c'est ça qu'il faut comprendre, ce nettoyage ethnique à la base de la création d'Israël, et surtout, qu'on parle d'un passé quand même super proche, on parle de 48, ça fait quoi, je sais pas, 60, 70, c'est ça, je sais pas. Moi, j'ai 68 ans. 68 ans, c'est tout proche, c'est vraiment pas, on parle pas de la fin du 17e siècle, donc c'est quelque chose, et il faut pas oublier que le mouvement sioniste qui a commencé, on va dire, dans la fin du 19e, je crois que le congrès de Bâle, c'était en 1892, le premier congrès du mouvement sioniste, c'est le mouvement, bon, on doit leur dire bravo, en tout cas là-dessus, le mouvement sioniste a inventé une histoire, le peuple juif, Israël, s'est servi de Dieu, soi-disant, qui a donné la terre à Israël, alors que la plupart des leaders sionistes étaient athées, en fait, ne croyaient pas du tout en Dieu ou quoi que ce soit, et a créé toute une narrative comme ça, incroyable, a réinventé un langage, puisque l'hébreu était une langue morte. Et surtout, on leur avait proposé, au début du mouvement sioniste, on leur avait proposé une partie de l'Argentine et en Angola aussi. On leur avait proposé des terres, en fait, en disant, regardez, là, il n'y a quasiment personne, allez vous installer. Et ils ont refusé à chaque fois. Je recherche, en fait, ici, encore Ilan Pappé. À un moment, il fait le lien entre antisémitisme, islamophobie, les politiques israéliennes que les politiques mènent et l'islamophobie. Je l'ai trouvé remarquable aussi sur ça. Ouais. Alors, il y a un truc. Alors qu'on pourrait s'attendre d'une analyse comme ça de Chomsky, par exemple. Ouais, ouais. Ilan Pappé, pour moi, il est israélien, il arrive en Europe, il découvre. Pourtant, t'as l'impression qu'il a découvert, il a capté les mécanismes tout de suite, quoi. Ouais, et il le fait le lien avec la. Il fait le lien des catholiques qui soutiennent les juifs pour la création d'Israël. Ils ne soutiennent pas les juifs, ils les soutiennent parce qu'ils détestent aussi les Palestiniens, qui font d'une paire de coups. Vraiment. Quand on parle du. C'est pour ça qu'on parle. Des gens parlent des fois de lobby juif. Alors, on ne peut pas parler de lobby juif. C'est un lobby sioniste ou un lobby pro-Israël. Parce que le lobby, il y a une énorme partie de gens qui sont pro-Israël qui ne sont pas juifs. Et aux États-Unis, les chrétiens sionistes sont peut-être les plus fervents supporters d'Israël, et pour une raison machiavélique au plus, puisque pour eux, moi je suis nul en religion, j'ai pas lu la Bible, etc., mais pour eux, il faut que tous les juifs soient retournés en Terre Sainte, donc du coup en Palestine, pour que le Christ, pour le Armageddon, quoi, pour que le Christ revienne. Et à ce moment-là, le Christ va arriver, c'est ce qu'il raconte. Un tiers périra dans le feu et l'autre sera. Et l'autre devra se convertir au christianisme et au moins ils auront Jésus revient, machin, ils pourront chanter. Je sais pas ce qu'ils vont. Voilà. Donc voilà, c'est affreux comme. Donc c'est quelque part, c'est extrêmement antisémite. Ouais, c'est antisémite au plus. Ce que dit aussi Ilan, c'est que Israël et la façon dont c'est géré par les gouvernements est ce qui produit sûrement le plus d'antisémitisme au monde.
parce qu'on dit souvent il ne faut pas associer les juifs à Israël, et c'est clair, il y a des juifs qui sont anti-israéliens, anti-sionistes, mais ceux qui le font le plus, c'est les Netanyahou, qui dit constamment « je parle au nom du peuple juif, les juifs ont une maison en Israël », donc ça crée évidemment des problèmes, et ça crée... Ça crée de l'antisémitisme en fait. Est-ce que Noam Chomsky et Yael Vapé, il y a une distinction justement sur cette question-là? Non, pas vraiment. Là, non. On n'a pas vraiment. Sur le lobby sioniste, ils sont d'accord? Ah non, alors non, pas tout à fait non plus. Alors le lobby, on n'a pas vraiment poussé, mais on sait que Chomsky, par exemple, il y a eu un livre de Stephen Walt et Mersheimer, je ne sais plus son nom. Qui s'appelait le lobby juif, qui montrait à quel... Non. Israélien, le lobby israélien et la politique américaine. Qui, eux, démontraient, c'est un ouvrage assez costaud, qui démontrait clairement l'influence du lobby israélien aux États-Unis par rapport à la politique étrangère, etc. Même quand ça le dessert. Ouais. Lui, Chomsky, dit oui, le lobby israélien a une importance aux États-Unis, mais pas plus que le lobby de la cigarette, le lobby du tabac... Et que il faut pas faire des montagnes, que si vraiment la politique d'Israël était néfaste aux États-Unis, le lobby juif on s'en foutrait, etc. Et juste, je finis juste ça. Il montre, par exemple, il parle, là il en parle pas, mais il en a parlé depuis, le fait que le lobby pro-Israël aux États-Unis avait fait campagne contre l'accord avec le nucléaire iranien, une campagne effrénée pour que Obama ne signe pas d'accord, et Obama a signé un accord. Donc là, Chomsky dit, voilà, je montre que j'ai raison, quand ça va pas avec les États-Unis, le lobby israélien n'a pas vraiment autant de puissance qu'on veut le croire. Bon, maintenant qu'on voit le dîner à AIPAC, donc qui est l'équivalent du CRIF aux États-Unis, et qu'il y a tous les hommes politiques de tous les bords, bon, sauf Bernie Sanders, il faut dire, il n'y est pas allé, c'est quand même assez bien. Ça peut, bon, le CRIF, c'est pareil, hein. Il y a tout le monde qui s'y pointe, et qui font des salamés, voilà. Bon, pardon, parce que je me souviens très bien de cet article. Chomsky avait réagi avec un article à ce livre très courageux de Walt et Mersheimer, qui en fait cassait les tabous, parce que aux États-Unis, je me souviens, c'était dans l'air bouche, c'était complètement verrouillé, quoi, il ne pouvait rien dire. Et il a dit non, les États-Unis soutiennent Israël parce que c'est dans l'intérêt impérial. Et je me suis dit, enfin, peut-être. On a peut-être plus d'intérêt à faire du commerce avec les Arabes, on a peut-être, tu vois, c'est un petit peu là, c'est quoi l'intérêt impérial dans ce cas. Et effectivement, enfin, ouais, donc il n'a pas modifié sa position depuis, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être... Non, on n'en a pas non plus, je ne m'en rappelle même plus, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup parlé du... Il y a eu, j'ai quelques questions sur le lobby, je crois, mais il n'a pas changé de position, non, en tout cas. Mais je crois qu'il change plus de position. Hein. Il faut l'accrocher à une chaise, commencer à débattre. Waterboarding. Il faut se dire aussi, le gars, il a son âge. Déjà, n'importe quelle vieille personne, on se dit, c'est bon, on ne la changera plus, mais je pense que c'est valable pour lui aussi. Et c'est à nous de désacraliser. Oui, c'est à nous de désacraliser. Et surtout, je pense maintenant, au lieu d'essayer de lui faire changer, de juste dire, écoute. Mais alors, par exemple, le mouvement BDS, même Omar Barghouti, etc., j'en ai beaucoup discuté, il m'a dit, regarde, lit partout, on n'a jamais attaqué Chomsky, malgré ses positions, parce qu'on respecte énormément, il a fait quand même des choses incroyables, mais on ne l'attaque pas, donc c'est un peu, on l'ignore, quoi. Allez, continue à parler, nous on continue notre truc, et puis voilà. Comment Yvan Papé s'explique ça lui-même par rapport à Chomsky? Parce qu'on peut lui attribuer des raisons psychologiques qui seraient en fait compréhensibles, parce que vu son histoire, Chomsky, son lien fantasmé au réel avec Israël, enfin on pourrait imaginer, on pourrait lui pardonner ce petit trou noir. Mais comment Yann Papé, lui, a réagi par rapport à ça? Parce que je veux dire, la force de Chomsky, c'est sa cohérence, sa logique implacable et son sens de la justice pour tout le monde. Et alors, juste quand on arrive à Palestine, là, ça commence un peu un peu sa chipote, quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. Qui lui est israélien, comment lui réagit par rapport à ça? Exactement comme toi, en fait. Exactement ce que tu viens de dire. Il y a un truc psychologique, il y a un truc que c'est vraiment lui, il est né en 1917 ou je sais pas quoi, Chomsky. Il y a vraiment, il n'arrive pas à l'expliquer, mais il se dit comme toi, ça doit être quelque chose psychologique. Parce qu'il y a un moment, encore une fois, après les questions, on a fait un break, et Ilan m'a regardé, il dit, je ne comprends pas ce qu'il dit, quoi. Chomsky, qui est cohérent, tu lis ses écrits, c'est tac, 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 tu sors de là, t'as tout compris. Je comprends rien à ce qu'il dit.
Donc voilà, il y a, et on ne sait pas, il y a un truc, oui, il y a un truc psychologique, un truc, je ne sais pas. Une dernière qui, la question du génocide, quand je dis la question du génocide, Ilan Pappé, qui n'a pas attendu les derniers bombardements sur n'importe quel village palestinien, parle de génocide. Ici, j'en connais qui sont fait bannir du mouvement pro-palestinien parce qu'ils disaient il y a un génocide qui se passe sur place. Ouais, c'est une question. Nous, avec le tribunal en seul, tu le sais, on a étudié la question durant Gaza, donc le dernier massacre à Gaza. Est-ce qu'Israël est en train de commettre un génocide? Le tribunal en est arrivé à la conclusion qu'Israël, en tout cas sur Gaza, ne commettait pas un génocide, mais qu'un génocide se faisait par étapes et qu'on était rentré dans une étape de... qui pourrait éventuellement amener un génocide. On voit avec les hommes politiques, les personnalités culturelles qui, pendant Gaza, appelé à un génocide en tout cas. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui disait il ne faut pas seulement tuer les combattants palestiniens, il faut tuer toutes les mères qui un jour vont faire sortir des vipères de leur ventre, etc. Ça, c'est un appel au génocide. Donc ce qu'on disait avec le tribunal, c'est que, comme au Rwanda, ça s'était passé, il y avait eu toute une préparation au génocide qui a été connue des mouvements, des pays occidentaux qui n'avaient rien fait. Et le jour où ça a commencé, ils disent « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» alors qu'ils savaient très bien que ça fait 3 mois, 6 mois que ça allait arriver. Là, voilà, il y a ce truc-là. Maintenant, le génocide au niveau du droit international, il faut prouver qu'il y a une intention. Et prouver qu'il y a une intention, c'est le truc le plus dur à faire, parce qu'une intention, ça peut juste être dans la tête de quelqu'un, il ne va jamais en parler, il ne va jamais l'écrire. C'est notre esprit, en fait, ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun gouvernement, même vous, qui va écrire des ordres de déporter tous les blonds ou d'exterminer tous les roux. Il y a Donald Trump qui a dit qu'il allait virer tous les musulmans. Le numéro 3 du Likoud l'a écrit, hein. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Israël, c'est parce qu'Israël dit ce qu'il fait. Regarde, t'as dit en caméra que t'aimais bien Israël. Oui, j'aime bien Israël parce si qu'Israël. Si quelqu'un monte un peu, tu vas. Nous, on imagine toujours ce qu'Israël va faire. Mais Israël dit la semaine prochaine, on va raser Gaza. Ben, la semaine prochaine, ils vont raser Gaza. C'est pour ça que j'aime bien les Israéliens, ils sont honnêtes. Et donc, les Israéliens, eux, disent qu'on va exterminer. Tous les Palestiniens, qu'on va tuer les femmes qui enfantent des terroristes, qu'on n'a pas besoin de chambre à gaz pour commettre un génocide, qu'on va mettre les Palestiniens dans du formol jusque quand ils vont devenir fous et qu'ils... Eux, ils le disent, mais nous ici, on dit... En fait, eux ne donnent leurs intentions et nous, on leur trouve des circonstances intéressantes. Mais non, ça c'est le truc de l'impunité d'Israël qui est... On n'a jamais vu ça, je pense, dans l'histoire, en fait, un pays comme ça et des gouvernements et des... qui se permettent de dire des choses comme ça, ou des aberrations, comme je ne sais plus quel ministre, qui après les attentats à Bruxelles a dit « si les Belges mangeaient moins de chocolat » et... Ça se manquait des attentats. Je veux dire, c'est... Mais dans n'importe quel pays, ça serait condamné par tout le monde, ça serait par tous les gouvernements, ils disent « couper les relations diplomatiques », et Israël, non, ça continue à inviter tapis rouge, à machin, et c'est là, quand les gens disent... Mais Israël, depuis 48, il y a eu, je veux dire n'importe quoi, il y a eu 10 000 morts palestiniens. Regardez le Rwanda, regardez le Tibet, il y en a eu 100 000, 800 000. Alors pourquoi tu es pro-palestinien et tu n'es pas pro, je sais pas quoi, rwandais ou... Déjà, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce que le Rwanda ou je sais pas quoi, la Corée du Nord ne bénéficie pas du soutien du tapis rouge, quoi. C'est eux qui créent le fait que c'est une exception, Israël. C'est pas nous qui faisons d'Israël une exception. C'est les gouvernements qui soutiennent Israël alors qu'ils ne devraient pas, quoi, qui créent cette exception, en fait. Il y en a un qui passe sur cette question, c'est extrêmement difficile. Que les États-Unis soutiennent Israël, on ne sait pas trop pourquoi. Et par exemple, je crois que BDS en France, toujours interdit. Genre, c'est considéré de la discrimination raciale de ne pas acheter un produit israélien, alors qu'on a fait ça contre l'Afrique du Sud, qui était un état d'apartheid. En Israël, bon, que ce soit de l'apartheid ou pas, on s'en fout, c'est l'oppression d'un peuple, c'est la violation constante du droit international. Et c'est interdit en France. Tu vas en tôle aussi, tu n'achètes pas Israël. Mais tu peux dire que tu vas pas aux Jeux Olympiques en Chine.
Voilà, enfin, oui, oui. Oui, donc c'est... Et le gouvernement fait du lobby pour ça, quoi. Ouais, ça et on a vu avec, surtout avec Manuel Valls, les déclarations. Ouais, ça c'est incroyable. Ma question est, comment se passe, quoi votre explication pour ça? Moi, je regarde ça, je vois pas, je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a dans d'autres parties du monde, on peut comprendre en termes d'intérêt, mais sur cette question, on dirait que c'est irrationnel. Enfin, je comprends pas. Ben, moi, je pense qu'Israël, c'est pour ça qu'on en parlait, c'est un état d'exception, parce qu'il y a une réponse des gouvernements, etc., qui est complètement hallucinante. Je pense qu'il y a le fait qu'il y a... Ah, il y a toujours ce truc, les États-Unis soutiennent Israël, donc les petits, la France et les petits, ils vont soutenir, ce que disent les États-Unis pour l'instant, on le fait. Ils essayent de temps en temps, on va envoyer un petit plan de paix, machin, comme ils font en ce moment, avant même qu'ils aient écrit deux mots, Israël a dit on n'en veut pas, je ne sais pas si vous avez vu, c'était il y a une semaine. Mais il y a aussi, bon, Israël est très utile, hein. C'est clairement, on dit des fois c'est le 51e état des États-Unis parce que c'est clairement le watchdog au niveau du Moyen-Orient où il y a le pétrole. On sait qu'on a de moins en moins besoin de pétrole parce que les États-Unis ont découvert en faisant des trous partout en Alaska qu'il y a du pétrole là-bas aussi, il y a le Venezuela qui a aussi du pétrole, mais il y a quand même... Avec Israël sur place, il y a ce sort de contrôle, en fait, ce sort de comment on dit, qui contrôle un peu ce qui se passe sur place. Maintenant, je pense qu'en France, il y a aussi cette sorte de culpabilité de l'Holocauste, encore, parce que la France, on sait très bien qu'avec Vichy et tout, c'est vraiment un des plus gros collaborateurs du massacre, du génocide juif. Donc je pense qu'il y a, tout ça quoi, qui joue. Et il y a le lobby israélien, qui est aussi quand même très puissant en France. Et on sait très bien que, quand on dit très puissant, c'est aussi par l'argent, en fait. Je sais plus qui... Attends, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a écrit ça? Oui, récemment, il y a David Cronin qui a publié un rapport là, sur le lobby, du coup, le lobby israélien à Bruxelles, dans l'Union européenne, en fait. Et il montrait qu'ils sont vraiment infiltrés de partout dans Bruxelles, en fait. Il y a de plus en plus de sortes d'organisations un peu obscures qui... avec des noms plus ou moins sympas, mais qui ne font que du lobby pour Israël, que c'est aussi des organisations qu'on retrouve aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui financent le lobby pour Israël à Bruxelles, et que c'est des organisations aux États-Unis qui financent aussi les mouvements les plus radicaux d'extrême droite, anti-musulmans, islamophobes, etc. Ce qui est aussi très intéressant, ça veut dire qu'en fait, ceux qui financent le lobby israélien ne sont pas seulement, on pourrait dire, des sionistes de gauche qui veulent qu'Israël conserve son état juif. Des fachos de droite, ouais. Ça peut. Mais c'est des fachos, en fait. C'est des gens qui sont complètement anti-musulmans, islamophobes, etc. Et ouais, ce qu'on disait, c'est que le lobby, il montrait au niveau de l'argent, le lobby pro-Israël en Europe... par rapport à ce qu'ils donnent aux politiciens, en fait, ce qu'ils donnent aux campagnes, etc., ça tourne autour des 100 millions d'euros, etc. Et on va dire le lobby arabe, ce qui n'existe pas en gros, mais si on essaye de trouver ce qui pourrait être le lobby arabe, c'est genre 10 millions d'euros, quoi. C'est du fois 100, du fois 200. Donc, et un homme politique, on sait très bien que c'est avant tout être élu et ce qui va se prendre dans la poche pour sa campagne qui l'intéresse. Donc il y a tout ça. C'est très machiavélique, en fait, je trouve, comme... Je trouve que ce qui se passe en Israël et la réponse de nos gouvernements, ça pose aussi la question des démocraties dans lesquelles on vit, quoi. Est-ce qu'on vit vraiment dans des démocraties, qu'on appelle représentatives, mais en quoi ça nous représente, puisque déjà les gens sont élus avec en gros 28% des votes, puisque la moitié des gens ne votent pas, et deux, ils font tout le contraire de ce qu'ils disent, donc à un moment... Pour ça, je pense, l'état de la démocratie aujourd'hui, pour la critiquer, ouais. Je pense qu'on doit être capable... de se dire, on doit analyser ce qui s'est passé dans les années 30 et les années qui ont suivi. Mmh. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Ouais. Donc il y a la culpabilité, mais c'est notre crime en fait. Bien sûr, Et c'est sur ça qu'on ne veut pas venir parce que on va dire Hitler, c'est un fou qui a tué 6 millions de juifs, mais ce n'est pas un fou. Il y a eu un système politique qui a permis ça. Et je pense qu'on n'est pas encore... Et c'est arrivé aussi... Il y avait les prémices. Il y a eu la Namibie avant. Et on sait très bien que dans les années 30, et ça c'est un truc, qui c'est qui a dit ça récemment, qui s'est fait... Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres, qui a osé dire, bon, c'était assez maladroit, hein, mais il a osé dire qu'il faut se rappeler, il a dit que dans les années 30, le mouvement sioniste a signé des accords avec l'Allemagne néo-nazie, en fait. En gros, les nazis
voulait plus des juifs en Allemagne et les sionistes voulaient plus des juifs en Allemagne parce qu'ils les voulaient en Palestine. Il y a des papiers, il y a des accords qui ont été signés. Une médaille avec, avec les, l'étoile de David sur un côté et la croix gammée de l'autre. Après, ça ne veut pas du tout dire, évidemment, que les sionistes ont soutenu l'Holocauste, ça, sans parler des années 30, hein, pas à partir. Mais c'est quand même quelque chose. Il a menti. Ken Livingstone a osé dire ça dans les médias, il s'est fait radier du parti Labour travailliste le lendemain, etc. Et la même semaine, c'est ici une autre. Pardon, j'ai pas. La même semaine, enfin, je crois que c'est dans les mêmes périodes, c'est Naz, une autre secrétaire du Labour Party. Oui, c'est en réponse à ça qu'il avait. Ça. Ça. Ah, ouais. Ça. Ouais, j'ai vu ce qu'elle avait dit, mais c'est vrai que c'était très maladroit quand même. Mais elle disait qu'Israël était le 51. Non, en fait, c'est encore pire parce qu'elle, ils ont été reprendre une affiche avec laquelle elle avait participé dans sa jeunesse quand elle était militante pro-palestinienne, oui, où elle disait qu'Israël était le 51e État des États-Unis, et elle s'est fait saquer aussi. Donc c'est quand même deux membres importants, parce que Livingstone, c'était quand même le maire de Londres, qui a été le plus à gauche d'ailleurs de tous les maires de Londres, qui se font saquer d'un parti politique. Et surtout Livingstone. Des positions politiques. Enfin, c'était quand c'était avant la nouveau. Là, c'était il y a. Ah non, il y a un mois, un truc comme ça. Livingstone, c'est un ami très proche de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, qui est excellentissime sur la Palestine depuis toujours et qui le reste, mais il y a une telle pression que c'est. S'il cède à cette pression-là, on est reparti pour un tour. Oui, mais Il a la pression à l'intérieur même du Parti travailliste s'ils essayent de le cesser. C'est incroyable, parce qu'on voit ça en France avec le CRIF et tout ça, mais au Royaume-Uni, j'avais pas encore vu. Cette agressivité incroyable contre le nouveau Labour parce qu'il est de gauche. Et là aussi, c'est un peu mystérieux. C'est lié à Corbyn et sa politique. Mais là, ce qui fait peur à tout le monde, que ce soit à la droite anglaise, à la gauche molle anglaise, etc., c'est qu'ils ont quelqu'un au pouvoir du Parti travailliste qui est un vrai radical. Quoi. Corbyn, je le connais personnellement très bien parce que c'est lui qui a trouvé la salle du tribunal d'Arsenal à Londres. Il était dans toutes les manifs pro-palestiniennes, toutes les manifs anti-apartheid, pro-cubaines. Il fait partie de Free the Cuban Five. D'ailleurs, ils sont quasiment tous libérés maintenant. C'est un vrai, vrai radical. Donc lui, il fait très, très peur. Et il essaie de tout faire pour le descendre, en fait. Mais partout, ils vont essayer encore jusqu'à, je sais plus, en 2020, les élections, je crois. Ils vont de le salir. De le salir partout. Donc c'est pour ça que sur Ken Livingstone et l'antisémitisme, depuis le début, ils disent Corbyn c'est un antisémite, puisqu'il soutient la Palestine. Donc. La seule stratégie à avoir, c'était de pas céder au chantage. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'auraient pas du tout dû céder au chantage dire que voilà, peut-être oui, les propos. Appeler Ken Livingstone, dire écoute, tes propos étaient peut-être maladroits, etc. Mais de là à le radier, avoir une enquête sur machin et tout, alors que c'est un des amis de. Je pense que Jeremy Corbyn sait très bien que Ken Livingstone n'est pas antisémite ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une telle pression, il doit dire écoute, je dois rassurer une partie de. Le fait qu'il soit antisémite, ce qu'il dit n'est pas antisémite. Oui, bien sûr, mais. On a déjà perdu la bataille à partir du moment où. Ça, je suis d'accord. C'est fou, c'est comme Israël quand tu dis arrête. Arrête, c'est vraiment radical, quoi. N'importe quel journal écrirait ce que écrit Arrête ici. Le journal se fait incendier directement pour antisémitisme. Ouais. Arrête, c'est un journal juif israélien, quoi. Certains journalistes. Mais il y a quelque chose aussi qui est. Tu as la parole. Parce que je crois que tu voulais poser une question. Juste sur la démocratie, il y a quelque chose qui, moi, me fait de plus en plus peur. Et François Dubuisson, d'ailleurs, en parle et a beaucoup écrit là-dessus, en fait. C'est l'israélisation de nos sociétés, en fait. Moi, après les attentats au Bataclan, j'écoutais France Inter, je ne sais plus. J'étais en voiture ou je sais pas quoi, j'ai écouté en France Inter. Et à un moment, le journaliste ou le présentateur, je sais pas quoi, dit y a bien une société qui a appris à vivre et qui a appris à combattre le terrorisme, c'est Israël, c'est peut-être. Et en gros, il a pas dit, mais. Et donc, ils ont passé une demi-heure à faire des entretiens avec Israéliens, etc. En gros, en disant il faut imiter. Il y a un exemple, il faut peut-être imiter leur modèle. Et c'est ça, en fait. On se disait, et Eyal Sivan, aussi un réalisateur israélien. Radical en parle beaucoup, il dit que ce qui se passe en ce moment, c'est que on est en train, nous, militants, de dire Israël n'est pas une démocratie, alors qu'en fait, Israël va être la définition future de ce qu'est une démocratie, en fait. Et on voit en France, Israël est en état d'urgence depuis 48, la France qui prolonge son état d'urgence avec 20 députés sur 600 tous les 3 mois, et ce qui permet de... Ce qui permet aussi d'attaquer complètement tous les mouvements de société civile, les mouvements les plus radicaux, que ce soit... les nuits debout, que ça soit... Ça, c'est super dangereux, par contre. Comme je disais, qu'on culturalise la
question de l'antisémitisme, c'est une façon aussi pour l'Europe, finalement, de s'en laver les mains. Ah oui, complètement. Génocide et de faire porter la responsabilité. Alors, historiquement, l'antisémitisme est né ici en Europe, c'est pas. Complètement. Dans sa forme contemporaine, c'est ici qu'il est né. C'est cette critique, je pense qu'ici, on n'est pas mûr de faire. C'est que le sionisme, c'est une idéologie colonialiste européenne. Le génocide des Allemands commis sur les Juifs, c'est ici que ça s'est fait. Donc c'est tout ça, je pense qu'on préfère encore dire qu'il y a eu un fou qui a gouverné l'Allemagne et que c'est un passage en fait. Et que 30 ans avant, le même mécanisme a été mis. Complètement. Ouais. Mais avant, oui, parce que c'est ça, en fait. Même on parle, l'année prochaine, c'est les 100 ans de la déclaration Balfour, donc 1917. La déclaration Balfour, on voit les gens qui l'ont étudié, un ami à moi l'a fait, Victor Catan, a sorti un livre là-dessus il y a quelques années, raconter que les PV, les procès-verbaux des meetings, des réunions qu'il y a eu, etc. Balfour, c'est aussi l'antisémitisme, en fait. C'est encore une fois, les Juifs, on les veut pas chez nous. Allez, qu'ils aient tué des Arabes, on s'en fout. En tout cas, ils ne seront pas chez nous. Il ne faut pas oublier des trucs tout. On n'en parle jamais non plus. Après, durant, juste un peu, alors on va dire avant, durant et après l'Holocauste, si on demandait aux Juifs où vous voulez aller, c'était en Europe en fait. Les Juifs voulaient aller en Europe et aux États-Unis, mais les frontières leur ont été fermées. Il y a eu un moment, c'était, je ne sais plus exactement la date, je crois que c'était en 45-46, juste après la fin, où les États-Unis ont dit on a pris assez de réfugiés juifs comme ça, on ferme. Il faut se rappeler que les Juifs, quand ils arrivent aux États-Unis, ils étaient dans des camps de concentration. C'est pas des camps d'extermination, mais on voit les photos, c'était des camps de concentration où ils vivaient comme les Éthiopiens maintenant ou les Syriens qui arrivent en Europe, quoi. Et ça, on n'en parle pas parce que personne ne voulait le problème juif, c'était pas le nôtre, et barrez-vous, quoi. Lehrer, qui est une Israélienne, mais du bon côté, qui est en France, qui publie des livres arabes, etc., qui faisait une blague dans le film d'Eyal Sivan, Un état commun, qui dit le problème, en fait, c'est que quand les Juifs sont arrivés en masse en Palestine, en fait, ça serait passé dans n'importe quel pays, il y aurait eu dès le début, donc on parle vraiment du début de 1920, il y aurait eu une guerre pas possible dès le début, et que là, ils sont arrivés, que les Palestiniens ont dit « Vous voulez du café, falafel, asseyez-vous ?» C'est une blague, mais c'est vrai que les Palestiniens ont été un peu... Genre, les premiers arrivants juifs en Palestine ont été accueillis à bras ouverts, quoi, ça a été... Alors que ça aussi, on réinvente, on dit que c'est pas vrai, qu'il y a deux suites... Ils ont été beaucoup mieux accueillis qu'en Europe, etc. Et on parle aussi de cette islamophobie et de cet antisémitisme. Les Juifs, par exemple, on en avait beaucoup entendu parler d'Iran, quand il y a eu Ahmadinejad qui a plus ou moins dit ou pas dit ce qu'il a dit, où tout le monde allait avec son micro, il y avait eu 5000 Juifs en Iran qui étaient là. « Alors vous avez peur, il faut partir !» Ils disaient tous « On est très bien, on n'a jamais été aussi mieux traités qu'ici. » Les Juifs au Maroc n'ont aucun problème, et au contraire, c'est des sociétés assez qui marchent très très bien en fait, très très bien. Ça marche jamais, c'est jamais parfait, mais alors que par contre, c'est ça qui est aussi marrant en fait, ce qu'ils disaient, c'est que le sionisme en fait, qui a dit on veut un État parce que les Juifs sont en danger partout dans le monde, il y a juste en Israël où ils sont pas en danger, quelque part c'est carrément ridicule puisqu'en fait ils mettent tous les Juifs dans un tout petit État. Alors si vraiment tous les autres étaient antisémites et si Ahmadinejad voulait leur envoyer la bombe nucléaire, etc., au lieu maintenant de devoir envoyer des bombes un peu partout, il y a juste un petit détail, ils sont tous là. Et donc il y a tout un truc aussi assez... Et c'est l'État où ils sont le plus en insécurité. Et c'est l'État où ils sont le plus en insécurité. Et c'est vraiment un État, moi je sais que je ne suis pas allé depuis 2010, parce qu'on m'a pas accueilli les bras ouverts à Ben Gurion, mais c'est une société, déjà quand j'étais allé en 2010, Jérusalem c'était une ville... anxiogène j'avais détesté comment mes jours à Jérusalem, quoi. Et on sait que de plus en plus de juifs, plus ou moins d'israéliens juifs, plus ou moins libéraux partent de Jérusalem parce que c'est invivable en fait, cette tension constante, ce racisme israélien juif contre quasiment tout le reste en fait, que ce soit les éthiopiens juifs, que ce soit les arabes, les arabes palestiniens, c'est une société qui je sais pas comment dire, quoi. Si un individu qui serait constamment comme ça en stress, avec cette haine et tout, imploserait au bout d'un moment, quoi. Et cette société va peut-être imploser un jour, parce que c'est... C'est une société de parano. De complet, parano, de peur, de... Le rappeler, que les nouveaux historiens... Tu l'as dit, hein. Les nouveaux historiens israéliens, ils n'ont rien fait d'autre
que répéter ce que les Palestiniens ont toujours dit depuis toute leur vie. Et comme dit, mais comme c'était des Arabes qui nous disaient qu'on nous a exterminés, on ne les croyait pas. Quand c'est des Juifs qui ont dit qu'ils ont raison, on a commencé à nous écouter. C'est intéressant que mais tu dis ça. Moi, et là, c'est très personnel, ou peut-être dans n'importe quelle famille arabe ou marocaine. Pour moi, depuis tout le temps, les Palestiniens ont été expulsés. Tu vois, parce que c'était clair, il n'y a jamais... Nos parents, il n'y a jamais eu l'idée que les Palestiniens auraient fui ou qu'on les aurait payés. C'était clair, net, que les Palestiniens ont été exterminés, que c'était la Nakba. Et après, dans les années 90, c'est tard que c'est venu, les nouveaux historiens. Oui, c'est qu'à fin des années 80, milieu 80, fin 80. Même plus tard, puisque Benny Morris, on avait été le voir, le commun héros ici à l'ULB. Ouais. Ah ouais, il était venu. Je crois que les archives ont été ouvertes une trentaine d'années après, si ma mémoire est bonne, au fin des années 70. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, et c'est, en fait je l'ai retrouvé sur ce livre, au moment où, en fait au tout début, avant même le premier livre, j'avais fait un entretien avec Chomsky, qu'on avait publié en Angleterre sur un magazine, et je lui ai proposé de faire un double entretien, et en fait je lui ai dit je voudrais vous mettre vous, et en face un Palestinien en fait. Mais... Un Palestinien, maintenant il n'y a plus Edouard Saïd, etc., ouais. De la stature de Chomsky, il y en a plus. Qui veut mettre en face de moi, en fait, quoi. Non, puis il n'y en a pas, parce que, en fait, et on en parlait avec Chomsky, il a visé très ouvertement, parce que tout le système est raciste, en fait. Et comme ce que tu dis, ça revient au même. Qu'il y avait des gens universitaires palestiniens qui disaient ça depuis 40 ans, on ne les a jamais cru. Le jour où Ilan Tapé l'a dit, on l'a cru, quoi. Et du coup, j'ai fait un livre, c'est un peu avec un Américain juif et un Israélien juif. Mm-hmm. Parce que. Oui, si tu enlèves Edouard Saïd, Mahmoud Darwish, mais qui n'était pas non plus un universitaire, des grands, grands noms palestiniens comme ça, il n'y en a pas. Parce qu'aux universités, voilà, ça change, commence à, enfin à changer, mais peut-être que dans 10 ans, on pourra avoir des universitaires palestiniens qui seront aussi connus et aussi lus que Chomsky et tout. Mais pendant des années, ça a été complètement, des décennies même, fermé. Quoi. Les plus gros postes aux universités et tout n'étaient pas possibles. Les positions de Chomsky, je trouve qu'elles sont terribles. Je pense qu'il a raison sur le fait que la question critique, c'est aux États-Unis. Parce que c'est vraiment. C'est autour de ça que tous les autres tournent. Parce qu'ils donnent 6 milliards de dollars d'armes à Israël, ils font les veto à l'ONU, et les Européens sont des collabos, en fait, aux États-Unis. Et là, dans cette élection, comparé à la dernière fois, on a eu Bernie Sanders qui n'est toujours pas. Abattu, qui gagne chez les jeunes. Malheureusement, il ne gagne pas chez la communauté noire. Ouais, on dirait que c'est ça qui l'empêche de passer Hillary Clinton, qui est financée par Goldman Sachs en l'occurrence. Et de l'autre côté, on a Donald Trump, qui est islamophobe, qui est anti-immigration, mais qui a dit par exemple que la guerre en Irak était une erreur. Ou qui est anti-interventionniste. Oui, il a dit aussi que je suis neutre sur Israël-Palestine. Après, c'est vrai, il a donné un discours à IPAC ou. Mais il récitait, d'habitude dans ses discours, il récite pas. En tout cas, dans les deux parties, il y a des gens qui sont, on dirait qu'ils sont libres du lobby, quoi. Enfin, et c'est peut-être une nouveauté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est intéressant, mais ça prouve que les hommes politiques, malgré tout, comprennent un peu. Bon, Trump, je commente même pas parce que il sera jamais président des États-Unis, ça, je pense que c'est sûr. Et deux. Je parie pas, mais je peux prendre pour des énormes paris qui sera jamais. Pour les Palestiniens, Hillary Clinton, c'est pas un cadeau. Ah non, c'est pas du tout un cadeau, c'est clair. Clinton, c'est presque pire, hein, parce que l'autre, c'est un abruti, mais elle ça se calcule. Mais je pense qu'en fait, il y a Norman Finkelstein qui critique le monde BDS, mais qui écrit aussi des bons livres sur le sujet. Qui avait écrit à quel point la jeune génération juive américaine, ne se sent de moins en moins d'attache avec Israël, et deux, est de plus en plus critique d'Israël. Donc ça, les hommes politiques le sentent aussi. Ils savent bien que les vieilles générations et tout, à un moment ou à un autre, elles vont partir, mourir. Et les jeunes qui arrivent, ils sont plus du tout la même relation avec Israël. Donc c'est clairement en train de changer. Le mouvement de solidarité pro-palestinien, c'est aux États-Unis qu'il explose le plus. J'étais avec une amie d'ailleurs de New York il y a quelques jours.
Moi, je lui disais, punaise, en Europe, j'ai l'impression que là, depuis un an ou deux, on stagne, c'est mou, il n'y a plus une campagne qui lit tout le monde et tout. Elle me disait, punaise, c'est pas du tout pareil aux États-Unis. Ils ont élu au syndicat des étudiants à la Palestine. Non, c'est au Royaume-Uni, Malia, ouais. Oui, en Angleterre aussi, voilà, c'est en train. Et aux États-Unis, c'est en train d'exploser. On voit sur les campus, et on sait à quel point les étudiants sont nombreux et sont influents. C'est en train d'exploser. Donc, il y a quelque chose. Ils sentent quelque chose. Ça, en fait. Après, je pense qu'il y a aussi Bernie, quelqu'un comme Sanders, qui n'est pas parfait sur Israël-Palestine, mais qui est le plus parfait des potentiels candidats que les États-Unis ont eu depuis 50 ans. Quoi. Il n'a jamais dit. Aucun candidat n'a osé dire ça. Il a dit aux news, moi Netanyahou, en gros, je l'aime pas. On n'est pas obligé de. J'ai jamais entendu ça, quoi. Aux États-Unis, c'est impossible. Même, tu vois, en Europe et tout. Qui c'est qui a dit des trucs comme ça Netanyahou, qui a sorti sur le grand prix de Jérusalem, ici, quelqu'un sortirait ça, qui n'est pas israélien, on lui ferait directement un procès pour négationnisme. C'est le négationnisme. Ouais, mais du coup, là, je pense qu'il y a. C'est en train de shifter, pour utiliser un anglicisme. Quoi. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, c'est clair. Et le mouvement de solidarité, on le sent. Quoi. Et même Chomsky, il dit, il y a 10 ans, je faisais une conférence sur la Palestine, il fallait de la sécurité, il y avait 15 fous furieux dans la salle qui relaient, qui voulaient nous agresser et tout. Maintenant, il dit, il n'y a plus rien. Il y a même plus il y a peut-être une sorte de sioniste qui a posé, il n'y a plus rien, en fait. Parce que, bon, ils ont changé aussi de tactique. Hein. Ils disent... on a perdu un peu la société civile, donc ils se concentrent sur les hommes politiques, filer des sous, machin et tout. Mais ça prouve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, quoi. Et ça va. Et ce qui a permis Sanders, même s'il n'est pas élu comme le démocrate qui ira se présenter au présidentiel, il permet de bouger de forcer Clinton de bouger un peu plus vers la gauche, quoi. Bon, pas vers la gauche, c'est très. J'ai pas compris. Et par contre, Trump. Avec ses discours complètement islamophobes, etc., pousse aussi la barre de ce qui est permissible, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, quoi. D'un côté, c'est possible, de l'autre, c'est super dangereux, parce que Trump dit tellement de grossièreté et d'imbécilité, mais ça permet, en anglais, c'est ça, the Overton window, c'est une... Qu'est-ce qui est permissible ou pas. Et puis des fois, ça monte, ça descend. J'ai l'impression que c'est Internet qui a... Enfin, ouais. Qui sous-tend ça. Enfin, je sais pas, parce que maintenant... Avant, tout passait par les médias. Si tu n'étais pas à la télé ou dans le journal, tu n'existais pas. Et aujourd'hui, tous les gens qui ont un site indépendant où ils font des trucs sur YouTube même, YouTube est de la censure, mais il y a des trucs qui passent sur YouTube. Je suis impressionné. Et j'espère que ça continue. On essaye maintenant de censurer, évidemment, de plus en plus, que ce soit l'Internet qui est né pour le plus démocratique au monde et tout. Maintenant, on est en train de... perdre cet aspect-là aussi d'Internet complètement. Quoi. Best régime dans la militance palestinienne, c'est en Europe. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une baisse de régime. Moi, c'est juste un ressenti, en fait, où... j'en ai parlé avec d'autres aussi, il y a ce ressenti que... Alors, la nouvelle tactique d'Israël, et on le savait, en fait, et on ne s'est pas préparé, c'est la criminalisation du mouvement. On le savait, ça fait des années qu'ils en parlaient, Et en fait, ça se passe au Royaume-Uni, ça se passe aux États-Unis évidemment, ça se passe au Canada, ça se passe en France, ils en parlent maintenant en Espagne, et c'est réel et concret en fait. Et j'ai l'impression que le mouvement en général et les leaders, l'organisation, se retrouvent un peu comme des cons, en disant « merde, on criminalise le mouvement », alors qu'on le sait, ça fait 10 ans, on parlait en anglais de « lawfare » il y a déjà 10 ans, on savait que ça allait arriver. Donc là, il y a ce truc de se dire « merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Pourquoi on n'est pas prêt ?» Et le deuxième truc, c'est que... quand on n'est pas prêt, il n'y en a aucun qui les regarde en disant « mais on vous emmerde de vos menaces ». Oui, il y a des choses comme ça. Ils se sentent... Il y en a quelques-uns, mais ça a clairement eu son effet. Quoi. L'accumulation du mouvement, ça fait peur. Il y a des gens qui se disent... Bon, il y en a toujours 5 ou 6 qui disent « moi je m'en fous, j'ai 20 ans, j'ai pas de femme, pas d'enfant, si je fais 6 mois de prison... Ou... » Si je prends une amende, c'est pas grave. Mais il y en a plein qui disent « attendez, moi, j'ai pas spécialement envie de me retrouver matraqué ou en prison, machin. » Il y a aussi un truc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus une sorte de campagne, « Stop G4S » qui lie un peu tout mouvement. Ça, c'est la campagne en ce moment, on est tous là-dessus. Et G4S, ça a marché plus ou moins, mais ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu les Veolia, les machins, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus un truc qui,
où tout le monde se dit ça c'est la campagne et il faut y aller. Et surtout j'ai l'impression, j'ai le ressenti que on a une comment dire, le mouvement BDS a eu 10 ans du coup, et qu'en fait est-ce qu'on a pensé nous et le mouvement BDS à ce qui se passe après en fait, tu vois. Le mouvement BDS est créé, ça a créé quelque chose d'incroyable, ça a rajeuni le mouvement, ça a donné aux gens un peu lambda des choses à faire concrètes. Je sais que tu faisais une conférence il y a 10 ans sur la Palestine, les gens arrivent à la fin, qu'est-ce que je peux faire pour aider? T'es là, merde. Tu sais, c'était très dur, un Européen, maintenant on sait, on leur dit fais ça, boycotte les produits, va voir ci, va voir ça. Donc, mais au bout de 10 ans, il y a tellement un vide politique en Palestine, je veux dire, l'OLP, l'autorité ne dit pas, ou le Hamas, ou quoi que ce soit, ne dit pas voilà où on va, voilà vers où on va, voilà, soutenez-nous, vous êtes autorité avec ça, ce projet, il n'y a pas de projet. Donc il y a une sorte de vacuum que le mouvement BDS pourrait combler, mais pour l'instant, on n'y est pas non plus. Donc c'est comme si, et ça j'en ai parlé avec vraiment genre Rafil Ziada, qui fait partie du BNC, du donc, Bureau National du BDS, qui dit oui, c'est clair, il faut vraiment, on est à comment dire, en anglais, quelqu'un m'a dit un crossroads, on est à un carrefour où soit on va faire encore mieux et soit ça va créer, soit BDS ça va devenir un peu une coquille un peu vide, je fais BDS et ça veut dire quoi? Bah, je n'ai pas d'avocat, mais ça pour aller où? Ouais, je ne sais pas trop quoi. Donc il y a ce truc là, moi c'est un peu mon ressenti de, voilà, mais après ça dépend aussi, on est à Bruxelles, c'est clairement moins, parce que je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas pour l'instant moins radical, moins avancé par exemple qu'en Angleterre. Moi j'ai vécu 12 ans à Londres, et 14 ans à Londres, et je suis arrivé à Bruxelles il y a 3 ans. C'est vrai qu'au début ça m'a fait un peu un choc quoi. En Angleterre, c'est aussi qu'il y a tout le monde, Kylian Mbappé habite là-bas, Karim Aboussi, tous les plus grands penseurs, donc il y avait des conférences sur la Palestine donc, deux fois par jour, il y avait les étudiants qui bloquaient les universités tout le temps, il y avait des actions directes, des gens qui allaient bloquer des entreprises, c'était vraiment un truc assez bouillonnant quoi, d'activité. Ici, c'est et d'activisme. Consensus. Ici, moi, après, c'est pas une critique parce que ça dépend, les mouvements évoluent d'une manière ou d'une autre. Moi, au début, je me suis dit, il y avait eu une manifestation organisée par l'ABP, l'association belgo-palestinienne, que je respecte énormément et j'ai des très bons amis là-bas. Et à un moment, je sais plus, j'avais parlé, j'avais dit, ah, elle part d'où la manif, elle va où? C'était un dimanche, la manif déjà. Et elle partait, genre, de Gare du Nord, elle allait vers Schuman. Et j'étais, mais. Le dimanche, Gare du Nord, Schuman, tout est fermé, il n'y a rien. Ah oui, mais c'est la police qui nous a autorisé qu'à passer par là. Et j'étais là, on s'en fout quoi, non, on... tu vois. Ou alors tu leur dis oui, puis à un moment tu vois qu'on est 2000, tu t'en fous, tu traces autre part quoi. Ah non, non, on peut pas. Alors qu'en Angleterre, ça se passe tout le temps quoi. La police, elle te donne un parcours. Oui, si t'es 500 et tout, tu dis allez, et tu vois qu'on est 2000, allez, fuck la police, tu passes, et oui. Et j'étais là, mais les gars quoi, Gaza est en train de se faire bombarder, on va pas aller à Schuman un dimanche. Tu vois, c'était une manif, c'est pour que les gens le voient, pour parler aux gens, pour attraper les gens dans les rues, tu vois. Et ça m'avait vraiment choqué. Après, voilà, c'est pas une... ça évolue d'une manière ou d'une autre. Mais, c'est pas lié à une organisation. Et pour revenir à ce que Khadija disait, je pense aussi que c'est lié aussi bien à l'islamophobie. Oui. Parce qu'il y a eu, à Bruxelles, ce petit, qui est deux manifestations à deux jours près, oui, sur le même sujet, ça, c'est qu'il y a un souci. Oui. Et donc, la question palestinienne aussi, ce qu'elle permet, c'est de voir un petit peu ce décalage entre le monde politique et la population des quartiers populaires. Je me rappelle une manifestation où j'étais à Bruxelles, j'habitais pas à Bruxelles, mais j'étais venu, c'était Gaza, c'était Opération Plomb d'Urserie, c'était genre 2009. Il y avait une grande manifestation qui était partie au haut-parleur, là, un peu comme d'habitude et tout. Organisé entre autres par toi, je pense, je marchais, etc., avec des potes belges et tout, et il y avait un petit groupe de jeunes arabes, peut-être musulmans, qui commençaient à crier « Allah Wakbar, Allah !» Et cette groupe, ce truc, oh, « Putain, non, quoi, les gars, ils commencent à crier ça, mais ça va pas, ça fait super... Nous, on l'a assumé, hein, ça fait antisémite, ça fait radical. » J'ai dit « Mais c'est quoi le problème ?» Nous, on l'a assumé ici en disant... Et puis il faut comprendre la haine, les gens sont énervés, quoi. Ça va, quoi. Tu vois, ça pas... Comme aussi ces gens qui disent à un moment, oh là là, ils ont cassé la vitrine du
j'en sais rien, on va dire du truc parce que. D'un resto, hein. Ou d'un truc Adidas parce qu'Adidas vend des chaussures. Et ben tant mieux quoi, on en a rien. Et quand on parle de cette histoire de, en France, etc., que les casseurs qui. On appelle ça de la violence en fait. Quand on casse du matériel, c'est de la violence. Ou qu'on déchire une chemise. Alors qu'en oui. fait, la violence physique et psychologique que les manifestants reçoivent, c'est pas de la violence. Mais casser une vitrine, casser une voiture, c'est de la violence. C'est... Bon, on pourrait en parler pendant des heures de toute façon. On est vraiment dans une phase du mouvement qui est positive, c'est qu'on est à l'offensive. Quoi. Tu vois, il y a pendant des années, clairement, on se devait se justifier. Hey, toi, tu fais quoi? Ah, moi je travaille sur la Palestine. Ah, t'es pro-palestinien? Les questions qui étaient pro-palestinien ou pro-israélien? D'ailleurs, on la pose un peu moins, cette question, en tout cas, on me la pose moins. Ah, pro-palestinien? Ah, et pourquoi? C'était toujours pourquoi? Alors là, t'étais, ah merde, pourquoi? Alors, en tout cas, écoute, je suis les attentats suicides, je suis pas pour, hein, faut que tu comprennes. Et oui, ce qu'ils font là, mais parce que tu vois, tu t'embrouillais, quand t'es à la défensive, c'est toujours difficile, quoi. Alors que maintenant, c'est presque, t'as envie de dire. Et toi, t'es quoi? T'es pas pro-palestinien? Pourquoi t'es pas pro-palestinien? Et je pense que le moment est arrivé dans ce truc-là, où on dit à Dexia, par exemple, et tout, au lieu de leur dire, vous savez, les colonies, investir là-bas, c'est pas top, et tout, on leur dit, on vous met en procès. Et, là, c'est beaucoup mieux, quoi, du coup. Quand t'es sur l'offensive, t'es plus fort, quoi. Quand t'es acculé, tu perds tes moyens, tu. Voilà. Ah, toi, ce que je crois que tu voulais. Dire, en fait, la question religieuse. Juif, pas juif, j'en ai jamais vraiment tenu compte. Et je pense que c'est la réaction la plus saine. Oui. Par contre, dans le milieu pro-palestinien, c'est vrai que pendant des années, il nous a fallu notre juif de service, hein, pour l'appeler comme ça. Vrai. On fait un appel à manifester. Si le PJB ne signe pas, c'est le problème. D'accord. Effectivement, c'est un problème. Qu'on en soit arrivé à ça. Et même les panels, hein, dans la discussion, il fallait toujours. C'est encore souvent le cas. Et encore une fois, c'est des amis de lutte, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Bon, moins dans, mais dans les médias, on le voit encore. Parce j'en que veux moins. 50-50. Aux organisateurs. All people, all people, all people, all power.